tous les points d'appui de vos deux pieds. Les orteils, les tranches externes des pieds, les boules situées sous les gros orteils et les talons. Et en même temps, vous essayez de repousser les deux genoux vers les extérieurs pour avoir bien les appuis des tranches externes de vos deux pieds. Toujours en allant sur l'avant et sur l'arrière, cette fois-ci, on va au fur et à mesure décoller et les orteils et les talons. Alors, pas les deux en même temps. Je soulève mes talons. Je soulève mes orteils. Quand je viens en arrière, j'inspire en arrière. J'expire sur l'avant. Et puis, au fur et à mesure, on va essayer de décoller les talons du sol en inspirant. Et encore. Continue tranquillement. Et j'essaie de ressentir l'alignement de tout mon corps. Les talons, les genoux, les hanches, le bassin, les épaules, la tête. Voilà. Et puis on va revenir. Vous allez maintenant marcher comme pour déverrouiller vos pieds, les orteils, les chevilles, les genoux aussi, et puis les hanches. Les hanches, donc on va monter un peu plus, on va décoller le pied, décoller le genou, on déverrouille le corps tranquillement. Encore. Voilà. Et puis là, on va faire des cercles avec les genoux. Donc, pas trop haut pour ne pas traumatiser les hanches. Hein. Vous voyez comment c'est bien pour vous. Tu inspires en montant, tu expires en descendant. Inspire en montant, expire en descendant. Et on continue. Puis, maintenant, on va changer de sens de rotation. Donc, on va revenir, on change de sens de rotation. Et laissez faire le buste. Essayez bien de sentir ce qui se passe dans la tête du fémur. Continuez tranquillement. Encore. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on va revenir. Vous relâchez le pied droit, le pied gauche, la jambe droite, la jambe gauche. Relâchez, vous secouez vos pieds, secouez les genoux, en fait la jambe, totalement. Et là, vous revenez les deux pieds de la largeur de votre bassin. Je vais poser ça. Voilà. Et là, je vais enlever mon pull, on va se mettre à travailler. Tranquille. Doucement, mes deux pieds largeur du bassin, ici. Je vais monter mes bras en inspirant. Je tire vers le haut. En expirant, j'incline sur un côté. Souffle bien. Inspire, reviens. Expire, incline de l'autre côté. Inspire, reviens. Et expire, tu redescends tranquillement tes bras. Prenez le temps ici, encore 4 fois. Inspirez, montez vos bras. Expirez, inclinez sur un côté. Inspirez, revenez. Et expirez, inclinez de l'autre côté. Inspirez, revenez. Et expirez, descendez. Encore 3 fois. Inspire, allongez, étire. Expire, incline. Inspire, reviens. Expire. Inspire. Relâche les bras, les épaules. Et encore, inspire.
Incline, souffle. Inspire, reviens. Expire, incline de l'autre côté. Inspire, étire vers le haut et expire, redescend tranquillement les bras. Dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et tu relâches les bras. Relâche les épaules, relâche les bras, relâche complètement. On descend ici les épaules et là on pousse son nez sur nos talons. On ressent bien les points d'appui de nos talons dans le sol. Et là, je vais me mettre sur le côté, vous ne bougez pas. Ici, on va essayer de, en poussant bien dans les talons, de tendre les jambes, contracter les fessiers. On retraverse le bassin, vous descendez bien vos épaules. Inspirez, montez les bras. Expirez, fléchissez vos jambes. Inspirez, tendez les jambes. Redressez le buste. Ici, placez vos mains en arrière. Portez votre tête et regardez vers le ciel. Expirez, repoussez la tête. Inspirez, montez vos bras. Expirez, redescendez vos bras. Relâchez. Encore. Inspirez, allongez loin les bras vers le haut et étirez. Allongez, grandissez dans le corps. Poussez dans les talons. Expirez, fléchissez vos jambes. Inspirez, tendez les jambes, étirez loin vers le haut. Expirez, fléchissez vos bras, portez votre tête. Inspirez, regardez vers le ciel, portez la tête. Expirez, repoussez la tête. Inspirez, montez les bras. Et expirez, descendez vos bras. Restez ici un instant. Prenez soin de votre respiration, détendez bien vos deux épaules, contractez les fessiers, placez le bassin neutre, ni trop en avant, ni trop en arrière, au centre, et descendez bien vos deux épaules. Ressentez bien les appuis des pieds dans le sol et dirigez bien les doigts de vos mains vers le sol. Allongez la nuque, menton dans la gorge. Inspirez et montez vos bras. Étirez dans la taille, dans le ventre et dans le dos. Expirez, fléchissez les jambes. Serrez dans le ventre, contractez le périnée. Inspirez, tendez vos jambes. Rétroversez votre bassin, montez la poitrine. Expirez, fléchissez vos bras, portez votre tête, regardez vers le ciel. Puis expirez, repoussez la tête. Inspirez, étirez tout le corps. Grandissez. Et là, vous descendez complètement en penchant le buste sur l'avant. Les bouts des doigts vers le sol. N'hésitez pas à placer un coussin ou des briques pour soutenir vos mains, vos doigts. Si besoin, et vous fléchissez vos jambes pour maintenir votre dos droit. Ici, vous relâchez bien vos épaules. Gardez vos jambes fléchies maintenant, tout le long. Fléchissez. Inspirez, montez vos bras dans le prolongement de votre nuque. Et étirez. Expirez, reposez les mains. On essaye ici de tendre les jambes. Mains sur les briques, ou mains sur un coussin, ou mains au sol. On essaye ici de tendre les jambes. Relâchez votre tête. Fléchissez. Regardez devant vous. Inspirez. Expirez. Tendez les jambes. Relâchez la tête.
Inspirez, fléchissez les jambes, regardez devant vous. Expirez, tendez les jambes. Seulement, venez placer les mains au-dessus des genoux sur les cuisses et tendez vos bras. Éloignez ici les épaules du cou. Soufflez. Serrez dans le ventre. Contractez le périnée. Expirez, relâchez les mains vers le sol. Dirigez les doigts vers le sol, essayez de maintenir le dos plat, parallèle au sol. Soufflez. Inspirez, posez les mains au sol, fléchissez vos jambes, au sol ou sur le coussin ou sur une brique. Expirez, tendez vos jambes, relâchez le buste. Emmenez les mains près de vos pieds, soit au sol, soit sur une brique, et relâchez la tête. Inspirez, fléchissez vos jambes, redressez le bout du nez et redressez votre dos. Regardez devant vous. Expirez, relâchez la tête, menton dans la gorge. Tendez les jambes. Inspirez, fléchissez les jambes, regardez devant vous. Les mains sur les genoux, au-dessus des genoux, sur les cuisses, les coudes près du buste. Inspirez, tendez vos bras et éloignez les épaules du cou. Soufflez. Inspirez. Expirez, repoussez le nombril, contractez le périnée. Inspirez, rétroversez le bassin, déroulez votre dos et montez vos bras au-dessus de la tête. Expirez, descendez vos bras. Gardez vos épaules basses, regardez devant vous, ressentez bien les points d'appui de vos deux pieds dans le sol. Inspirez largement. Expirez totalement. Encore une grande respiration. Ramenez les deux mains sur le cœur. Inspirez, montez vos bras. Expirez, fléchissez vos jambes. Inspirez, poussez sur les talons, rétroversez le bassin, montez la poitrine. Inspirez bien en haut, expirez, fléchissez vos bras, portez votre tête. Inspirez, montez le bout du nez vers le haut, lâchez les épaules. Expirez, repoussez votre tête. Inspirez, montez vos bras. Expirez, basculez sur l'avant. Les mains près de vos pieds ou sur les briques. Inspirez, fléchissez vos jambes, regardez devant vous. Expirez, tendez les jambes, menton dans la gorge. Relâchez le dos. Inspirez, fléchissez vos jambes, regardez devant vous. Expirez, tendez les jambes, relâchez le dos et la tête, menton dans la gorge. Relâchez la tête, menton dans la gorge. On essaye ici de placer les mains près des pieds, relâchez la tête. Voilà. Poids du corps sur les orteils, vous sentez que ça étire dans les jambes, dans les ischions. Montez bien les ischions vers le haut. Fléchissez vos jambes et inspirez. Regardez devant vous. Expirez, à nouveau, tendez les jambes. On place les mains sur les mollets. Et on essaye de rapprocher le buste des jambes. Soufflez bien. Inspirez dans la posture et soufflez bien. Ressentez l'étirement dans les chevilles, dans les mollets, dans les cuisses, dans les fessiers. Vous allez ici attraper vos mains dans le dos et entrecroiser les doigts de vos mains. On va essayer de diriger les bras vers le ciel. Inspirez. Lâchez les épaules. Expirez, relâchez vos bras, fléchissez vos jambes.
Mains sous les chevilles, regarde devant toi. Inspire. Expire, tends les jambes, relâche la tête, monte dans la gorge. Inspire, fléchis les jambes, les mains au-dessus des genoux, sur les cuisses. Pousse sur tes bras. Éloigne bien les épaules du cou, regarde devant toi. Serre dans le ventre et contracte le périnée. Descends tes deux épaules. Expire tranquillement, puis arrondis le bas du dos et déroule ton dos pour remonter. Inspire, monte les deux bras loin au-dessus de ta tête. Grandis et étire. Et en expirant, tu relâches tes bras. On reste ici le temps de trois grandes respirations. Ressentez ici le poids de votre corps sur les deux pieds de manière égale. Autant à droite qu'à gauche et on ressent bien le bassin au centre. Montez votre respiration dans tout le buste, l'abdomen et la poitrine et la gorge et les épaules. Expirez tranquillement. Inspirez largement, comme si vous essayiez d'élargir le dos. Expirez, relâchez votre posture. Alors, avant d'aller plus loin, c'est ici qu'on va prendre appui sur le mur ou sans le mur. Et on va tout simplement essayer de venir s'asseoir en étant en appui sur le mur. Donc, je place mon pied un petit peu devant moi. Attention de ne pas glisser, de ne pas tomber. Et je descends le long de mon mur pour avoir les cuisses quasiment parallèles au sol. Donc, c'est pour ça qu'un mur est sympa. S'il n'y a pas de mur, on fait ça pour essayer de maintenir le travail dans les quadriceps. On va rester ici le temps de 5 grandes respirations. Vous poussez bien le dos contre le mur. Vous serrez tranquillement le ventre en repoussant le nombril vers la colonne. Et vous respirez, laissez faire. 5 respirations profondes. Ressentez ce qui se passe dans vos jambes, dans vos cuisses. Regardez devant vous. Respirez profondément. Ça fait mal un peu aux cuisses. Soufflez complètement. Encore inspirez, expirez totalement, inspirez, expirez, et on va doucement revenir. Donc, je viens sur l'avant, et ici, je vais placer mes mains au sol, puis revenir. On revient sur le tapis. Voilà, à nouveau, face à moi. Ça travaille un petit peu sur les quadriceps. C'est normal. Donc, justement, maintenant, on va étirer nos quadriceps. Inspirez, montez vos bras, grandissez. Allongez vos bras, allongez vos mains. Repoussez les genoux vers l'extérieur. Vous êtes en appui sur la tranche externe de vos pieds. Étirez. Inclinez sur la droite. Soufflez, inspire, reviens au centre, incline sur la gauche, souffle, inspire, reviens au centre, expire, descends les bras. Doucement ici, au Utkatasana, tu allonges les bras dans le prolongement de ton buste, tu descends les fessiers vers le sol et tu montes les bras dans le prolongement du dos. Menton dans la gorge. Inspire, tends tes jambes. Et étire. Monte le bout du nez vers le haut. Expire, relâche. Viens sur l'avant. Les mains près de tes pieds. Relâche la tête. Inspire, fléchis les jambes. Regarde devant toi. Expire, tends les jambes. Relâche. Fléchis les jambes, déroule le dos. Inspire et tu reviens. Monte tes bras, grandis et étire. Expire, ramène les mains sur le cœur. Respirez tranquillement. Soufflez bien.
Respiration profonde ici, dans cette séance. Les respirations sont très profondes et on appréhende en conscience chacune des postures que l'on va faire avec des respirations profondes pour bien détoxifier l'organisme. Bien, relâchez vos bras et vous allez venir sur l'avant de votre tapis. Placez une brique de chaque côté si vous en avez besoin. Il se peut que vous n'en ayez pas besoin. Hein. Vous voyez comment c'est pour vous, comment ça résonne pour vous. Alors, vous êtes sur l'avant de votre tapis. Je me déshabille. Nous sommes donc sur l'avant de notre tapis. On va rétroverser le bassin un peu. On pousse bien dans les talons, on ressent bien les orteils dans le sol. Vous montez la poitrine, vous montez le sternum vers le haut. Voilà. Descendez bien vos épaules. Dégagez bien les épaules. Ici, vous attrapez les mains en croisant les doigts. Vous rapprochez les omoplates l'une de l'autre, les épaules, les omoplates l'une de l'autre. Inspirez, creusez le bas du dos ici en montant les ischions vers le haut. Descendez vos épaules, dirigez les index vers le sol et montez légèrement le bout du nez. Inspirez. Expirez dans la posture, descendez bien vos épaules, tendez vos bras. Expirez, relâchez, rétroversez légèrement le bassin. Arrondissez le dos, laissez glisser les mains, les bras et repassez en Utkatasana. Expirez. Inspirez, tendez vos jambes, les bras, puis emmenez les mains près de vos pieds. Les mains au sol ou les mains sur les briques près de vos pieds. Relâchez votre tête, fléchissez les jambes, inspirez, regardez devant vous. Expirez, tendez vos jambes, relâchez. Inspirez, fléchissez, regardez devant. Expirez, descendez, relâchez. Attrapez vos jambes, emmenez le buste vers les jambes, relâchez. Inspirez, fléchissez les jambes, les mains au sol de chaque côté des pieds. Ici, on emmène le pied droit loin en arrière, les orteils du pied droit dans le sol. Ici, je ne pose pas encore le genou au sol, j'essaie de avancer ma hanche à droite. Inspire, presse sur le bout des doigts ou sur les mains ou sur les briques, ça dépend comment tu es, et je pose bien dans le talon de mon pied droit. J'expire, je vais descendre en fléchissant la jambe gauche, le genou gauche vers l'extérieur et je descends la cuisse droite dans le sol. Inspire, tendez bien votre jambe droite, tournez bien la peau des bras vers l'extérieur, regardez devant vous. Expirez, tendez les deux jambes. Ici, on essaye d'emmener le buste vers la jambe gauche. Fléchissez vos bras. Puis doucement, vous fléchissez votre jambe gauche. Vous laissez glisser le pied droit dans le sol et vous emmenez le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez la tête. Fléchissez vos jambes, déroulez le dos. Inspirez, les bras au-dessus de la tête. Expirez, les mains sur le cœur. Descendez vos deux épaules. Soufflez. Serrez dans le ventre. Contractez le périnée. Contractez les fessiers. Sommet de la tête vers le haut. Soufflez bien. Inspirez, montez vos bras. Expirez, Utkatasana. Inspirez, tendez les jambes, rétroversez votre bassin. Montez la poitrine, sternum, vous regardez vers le ciel. Étirez, loin vers le haut. Expirez, descendez, les mains près de vos pieds, relâchez. Fléchissez vos jambes, regardez devant vous. Expirez, tendez les jambes. Inspirez, emmenez le pied gauche en arrière. On appuie sur les orteils de votre pied gauche. On descend la cuisse droite dans le sol, pardon, on descend la cuisse gauche dans le sol. Et là, on va ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Vous êtes en appui sur vos mains, soit à plat, soit sur le bout des doigts, soit sur les briques.
mais vous poussez bien dans le talon de votre pied gauche, en tendant bien la jambe gauche. Inspirez largement, votre dos est bien dans le prolongement de votre tête. Plutôt, votre tête est dans le prolongement de votre dos, ici. Inspirez, tendez les deux jambes, essayez de ramener le buste vers la jambe tendue de devant. Serrez dans le ventre, contractez dans le périnée. Ici, vous reculez votre hanche droite, vous avancez votre hanche à gauche. On essaye de descendre vers la jambe. Inspirez, tendez vos bras, fléchissez votre jambe droite. Retournez les orteils du pied gauche et ramenez ici le pied gauche à côté du pied droit. Relâchez la tête. Fléchissez vos jambes, déroulez votre dos et revenez. En inspirant, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez, ramenez vos mains sur le cœur. Descendez vos deux épaules. Regardez devant vous. Sommet de la tête, dirigez vers le ciel. Serrez dans le ventre, contractez dans le périnée. Descendez bien vos deux épaules. Grande respiration profonde. Inspirez, montez vos bras. Expirez, fléchissez vos jambes. Inspirez, tendez, rétroversez, montez la poitrine, regardez vers le ciel. Expirez, basculez sur l'avant, les mains près de vos pieds, relâchez la tête. Fléchissez, inspirez, regardez devant. Expirez, emmenez le pied droit en arrière. Posez le genou droit dans le sol. Et ici, on s'assure que le genou gauche est bien au-dessus de la cheville à gauche. La hanche droite en avant, on engage la cuisse droite. Ici, vous inspirez, vous montez vos bras au-dessus de la tête. Inspirez largement. Expirez, ramenez vos deux mains près du pied gauche. Prenez appui sur les orteils du pied droit et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez. Fléchissez les jambes, déroulez le dos. Inspirez, remontez. Expirez, main sur le cœur. Respirez largement. Inspirez, montez vos bras. Expirez, fléchissez vos jambes. Inspirez, tendez les jambes, rétroversez le bassin et étirez. Expirez, basculez sur l'avant, les mains près de vos pieds, relâchez la tête. Inspirez, fléchissez les jambes, regardez devant vous. Expire, tend les jambes. Inspire, emmène le pied gauche en arrière. Genou gauche dans le sol. On s'assure ici d'avoir le genou droit au-dessus du talon droit. Et on inspire, on redresse le buste, montez les deux bras. Étirez, avancez bien la cuisse gauche, engagez bien la cuisse gauche, la hanche gauche. Expirez, ramenez les mains près du pied droit. Prenez appui sur les mains, sur le pied droit et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Soufflez, relâchez la tête. Fléchissez vos jambes, inspirez et remontez les bras au-dessus de la tête. Expirez, les deux mains sur le cœur. Inspirez et expirez tranquillement. Regardez devant vous, serrez dans le ventre, dans le périnée. Ressentez votre corps. Conscience de votre respiration. Nouvelle inspire, montez vos deux bras. Allongez. Expirez. La chaise. Inspirez. Tendez et tirez vers le haut. Regardez vers le ciel. Expirez, basculez sur l'avant. Les mains près de vos pieds. Relâchez votre tête. Inspirez, fléchissez les jambes. Regardez devant vous. Expirez, menton dans la gorge. Et on emmène ici le pied droit en arrière. Vous êtes en appui sur les orteils de votre pied droit. Vous allez ici poser le genou droit dans le sol. Vous inspirez, vous montez vos bras et vous étirez, grandissez. Regardez vers le ciel.
Expirez, descendez vos bras. Ici, vous venez placer votre main gauche à l'intérieur de votre pied gauche. Vous tournez bien la peau du bras vers l'extérieur. Descendez bien la cuisse droite dans le sol. Vous emmenez ici la main droite sur l'arrière, peut-être sur le dos, pour emmener l'épaule sur l'arrière. Inspirez largement. Étirez. Expirez, ramenez la main droite. Ici, on va essayer d'emmener la main gauche dessous le genou gauche. Donc, je vais me mettre de l'autre côté pour que vous voyez bien. Ici, je descends l'épaule gauche donc sous mon genou et je laisse aller ma main gauche à l'extérieur. Je suis en appui sur ma main droite et sur ma main gauche. Ressentez cela. Et là, je vais emmener ma main gauche dans le dos. Mon bras gauche et ma main gauche dans le dos. Respire tranquillement. Je ramène ma main gauche à l'extérieur du pied gauche. Je ramène ma main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et je descends la cuisse droite dans le sol. Inspire. Descends bien la hanche. Engage vraiment la hanche. Monte la poitrine, monte le sternum. Je ramène la jambe gauche tendue. Et je ramène le genou gauche à côté du genou droit. Mes deux mains sont bien sous le sol. Inspire. Propulse-toi bien sur les mains, tourne la peau des bras sur l'extérieur, sens que tu élargis le haut du dos, expire, arrondis ton dos. Inspire, creuse le dos, regarde devant toi. Expire, arrondis. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Puis je ramène ici les deux orteils dans le sol. Les deux orteils, les 10 orteils dans le sol. Je vais soulever mes genoux et je pousse dans mes talons. J'allonge ici dans mon dos. Je place le menton dans la gorge. J'essaye de poser mes talons dans le sol. Soufflez. J'allonge mon dos, mes mains sont dans le prolongement de mes bras, de mes épaules. J'allonge mon dos, je pose dans mes talons, serré dans le ventre, à chaque expire. Inspirez largement, poussez dans vos mains. Expirez, montez bien les ischions vers le haut, dégagez les omoplates. Puis vous venez marcher doucement vers vos mains. Ou entre vos muscles. Fléchissez vos jambes. Déroulez le dos doucement. Inspirez. Montez vos bras et étirez loin vers le haut. Grandissez. Expirez, fléchissez. Inspirez, tendez, rétroversez le bassin. Montez la poitrine, regardez vers le ciel. Expirez, descendez vos bras. Relâchez vos deux épaules. Regardez devant vous, soulevez de la tête vers le ciel et étirez. Grande respiration profonde. Doucement, vous ramenez vos deux mains sur le cœur. Descendez bien vos épaules. Conscience de votre souffle, conscience de votre posture. Ressentez tout votre corps vivant. Inspirez, montez vos bras. Et étirez. Expirez, fléchissez vos jambes. Inspirez, tendez les jambes, rétroversez votre bassin, montez la poitrine, regardez vers le ciel. Étirez vos bras. Expirez, basculez complètement sur l'avant, les mains près de vos pieds. Relâchez la tête. Inspirez, fléchissez vos jambes, regardez devant vous. Et en même temps, menez le pied gauche en arrière. Genou gauche dans le sol. Inspirez, remontez vos bras, grandissez et étirez. Regardez vers le ciel. Expirez, descendez vos bras. Relâchez.
Ici, vous allez emmener votre main droite à l'intérieur du pied droit. Vous descendez la cuisse gauche dans le sol. Laissez faire. Ressentez vos hanches, avancez la hanche gauche, engagez la fessie gauche, poussez sur vos mains pour éloigner les épaules du cou. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, ici relâchez, vous descendez l'épaule droite sous le genou droit et vous venez placer votre main droite à l'extérieur du pied droit. Descendez la cuisse gauche dans le sol. Revenez, replacez la main droite à l'intérieur du pied droit. Descendez la cuisse gauche dans le sol et ici venez placer le bras gauche, la main gauche dans le dos en tournant le buste vers votre gauche. Inspirez. Pressez sur la main droite pour éloigner l'épaule droite du cou. Expirez, ramenez la main gauche. Ramenez la main droite à l'extérieur. Pressez sur les mains et sur le pied droit pour ici ramener le pied gauche à côté du pied droit. Relâchez votre buste, soufflez. Fléchissez les jambes, inspirez, déroulez le dos et remontez les bras au-dessus de la tête. Expirez, ramenez vos deux mains sur le cœur. Descendez vos épaules, menton dans la gorge, allongez bien le sommet de la tête vers le haut. Souriez ici dans votre posture. Inspirez, montez vos bras. Expirez, fléchissez les jambes. Inspirez, tendez vos jambes et redressez. Expirez, basculez sur l'avant. Relâchez votre tête. Soufflez. Inspirez, fléchissez vos jambes. Ici, vous emmenez le pied droit en arrière. Les orteils du pied droit sont bien dans le sol. Je pousse dans le talon de mon pied droit. Je pousse sur mes mains. Les mains sont parallèles par les majeures. Et là, vraiment, j'éloigne mes épaules du cou. Je pousse dans le talon à droite, ici. Et je descends le genou droit dans le sol. J'inspire et je monte mes deux bras au-dessus de ma tête et je grandis. En expirant ici, j'attrape mes mains dans le dos. J'entrecroise les doigts de mes mains. Et là, j'emmène mes épaules, mes omoplates vers l'arrière en dirigeant les index vers le sol. J'inspire largement. Expire. Je reviens. Je déplace le poids du corps sur le genou droit. Ma jambe gauche est tendue. Je prends bien appui sur mon pied gauche. J'expire. Je vais descendre sur l'avant. Et je vais monter mes bras vers le ciel. Voilà. Et on relâche. On n'est pas obligé de descendre comme ça. Hein. On peut descendre tout simplement un peu en plaçant peut-être le buste parallèle au sol. Puis on monte les bras. Expire, redescend. Relâche les épaules. Et ramène les mains près du pied gauche. Fléchis la jambe gauche. Et tu ramènes le pied droit à côté du pied gauche. Relâche. Relâche la tête, relâche le dos, souffle. Puis doucement, tu fléchis tes jambes, tu inspires et tu déroules ton dos. Lève les bras. Expire, main sur le cœur. Soufflez bien. Inspirez largement, soufflez bien. Inspire, monte les bras. Expire, fléchis tes jambes. Inspire, tends les jambes. Rétroverse ton bassin. Monte les bras, regarde vers le ciel. Et expire, bascule sur l'avant. Relâche la tête. Ici, j'emmène le pied gauche en arrière. Je place bien le pied droit, bien ancré dans le sol. Je souffle, je descends le genou gauche. Je remarque bien que le genou droit est au-dessus de la cheville droite. J'inspire, je redresse mes bras et je grandis. Engage la cuisse gauche et étire. Expire, descends, les doigts se croisent dans le dos et tu diriges les index vers le sol. Inspire,
Expire, tend la jambe droite et descend vers le sol. Monte les bras. Expire, reviens. Inspire, remonte. Expire, ramène. Et tu ramènes le pied gauche à côté du pied droit. Relâche. Souffle. Inspire, déroule le dos. Monte les bras. Expire, ramène les mains sur le cœur. Relâchez. Regardez loin devant vous, trois grandes respirations profondes. Ressentez bien les points d'appui de vos pieds. Respirez largement, contractez dans les fessiers. À nouveau, j'inspire, je monte mes bras. Grandier, expire, descend les bras. On emmène ici les mains dans le dos. On entrecroise les doigts de nos mains. Je recule tout petit. Rapproche les épaules. Je descends sur l'avant, le buste parallèle au sol. Je prends bien appui sur mes talons, sur mes orteils. Buste parallèle au sol, la tête dans le prolongement du dos. Les épaules en arrière, je monte mes bras, ne forcez pas et je relâche mon buste sur le dos. N'allez pas trop loin, relâchez dans vos épaules. Léchissez les jambes, chaise, souffle. Expirez largement. Bras, tête dans l'alignement du dos. Inspire, pose dans les talons, tend les jambes. Et expire, relâche les bras par les côtés. Main sur le cœur. Prends une respiration profonde. Et je relâche doucement mes bras. Relâchez vos épaules. Ramenez ici vos deux pieds, tranquille. Donc, maintenant, on va passer à un moment un peu plus calme. Relâchez bien vos épaules, relâchez vos bras. Plus calme ne veut pas dire moins difficile. Je ramène le pied gauche sur le pied droit. Ressentez ici votre stabilité. Ouh, votre instabilité. Voyez comme c'est bien pour vous et qu'est-ce qui se passe. Vous avez le pied, les orteils du pied gauche sur le pied droit et vous laissez ici le genou s'ouvrir et se refermer. Laissez libérer dans la hanche ici à gauche. Voilà, libérez, libérez. Pareil de l'autre côté, le pied droit sur le pied gauche. C'est pareil, ressentez votre stabilité, l'inconfort, le confort, comment c'est. Et là, pareil, on laisse aller le genou sur l'intérieur, sur l'extérieur, et ressentez ce qui se passe dans le corps. Les hanches ne bougent pas. Voilà, et puis doucement, on va revenir. Les deux pieds ensemble. On va essayer de monter le pied gauche contre le tibia droit. Voilà, le pied gauche contre le tibia droit. Relâchez voilà, les hanches, le bassin. Descendez vos épaules, puis relâchez. Le pied droit contre le tibia gauche. Voilà, ressentez votre posture, votre équilibre, comment c'est. Expirez, relâchez. Et là, on va essayer d'emmener le pied gauche sur le dessus de la cuisse droite. Et on attrape avec la main droite le pied gauche. On relâche dans la hanche à gauche. Vous venez passer votre main gauche à l'arrière et vous attrapez avec la main gauche le coude droit.
Restez dans la posture, relâchez dans la hanche gauche, inspirez largement. Relâchez. Ramenez doucement vos bras. Et on va faire la même chose avec le pied droit sur la cuisse à gauche. J'emmène le pied droit sur ma cuisse gauche. J'attrape avec ma main gauche mon pied droit. Et je place ici ma main droite en arrière et j'attrape mon coude gauche avec ma main droite. Vous serrez dans le ventre, vous contractez le périnée. Descendez vos épaules. Et vous relâchez. Et le bras et la jambe. Inspirez, montez vos bras, grandissez, étirez. Inclinez sur un côté, soufflez. Revenez au centre, inclinez de l'autre côté. Soufflez. Inspirez, revenez au centre et relâchez vos bras. Soufflez. Ici, je replace mon pied gauche sur ma cuisse droite. Et j'essaye d'emmener le pied jusque dans le pli de laine. J'attrape avec ma main droite le pied. Ici, je vais descendre. Je vais fléchir sur ma jambe. Je relâche. On respire tranquillement ici dans cette posture. On emmène les mains sur le cœur. Descendez. Relâchez dans la hanche à gauche. Soufflez bien. Et doucement, vous remontez. Libérez les mains, tendez la jambe, relâchez le pied. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et relâchez. Le pied droit maintenant. Pardon. Le pied droit maintenant sur la cuisse. Je descends tranquillement. Déjà, je me positionne bien. Je fléchis ma jambe gauche. Je descends tranquillement. On appuie sur mon pied gauche. Et je ramène ici mes mains sur le cœur. Descends les épaules. Inspire largement. Fléchis bien ta jambe. Souffle bien. Essayez de bien relâcher dans la hanche, la droite ici. Soufflez, inspirez largement. N'oubliez pas de sourire dans votre posture. Pas facile. Inspirez. Expirez. Puis relâchez vos mains. Tendez la jambe et ramenez le pied. Inspirez, montez vos bras, grandissez. Expirez sur la droite. Revenez, inspirez. Expirez sur la gauche. Revenez, inspirez. Expirez. Descendez vos bras et relâchez. Ouvrez vos jambes. Largeur, un peu plus que la largeur du bassin. Peut-être la largeur de votre tapis, ça peut être bien. Avant de descendre, on va laisser bouger les hanches, droite à gauche, en faisant des cercles. Un cercle au-dessus du pied droit, un cercle au-dessus du pied gauche et on revient tranquillement. Laissez faire le buste. Relâchez bien dans le bassin. Laissez faire dans les chevilles. Observez ce qui s'y passe. Voilà. Et on va revenir ici au centre. Contractez dans le ventre. Descendez vos épaules. Donc ici, j'ai les pieds écartés, la largeur du tapis. Je vais emmener mes mains dans le dos, donc je vais me mettre sur le côté, vous restez ici, là, main dans le dos, descendez bien vos deux épaules. Inspirez, on rapproche ici les omoplates, placez-vous bien sur vos deux pieds parallèles, grandissez, descendez bien les épaules, expirez, basculez sur l'avant, le buste parallèle au sol. Relâchez. Relâchez le buste. Montez les ischions vers le haut. Et maintenant, vous emmenez vos bras vers le ciel. Relâchez dans les épaules. Puis les bras viennent au-dessus de la tête, sans forcer, bien évidemment.
poids du corps sur les orteils. Menton dans la gorge. Vous fléchissez vos jambes et vous ramenez les mains près des chevilles. Ici, vous redressez votre dos. Essayez d'allonger le dos. Vous repoussez le nombril vers la colonne. Vous allez venir poser la main gauche sur la cheville droite sans bouger le bassin. Et vous allez emmener ici le bras droit vers le ciel. Essayez de ne pas bouger le bassin reste bien au centre. Les deux jambes sont fléchies. Inspirez. Regardez votre bras. Inspirez largement. Et en expirant, vous ramenez la main droite, la main gauche. Redressez un peu votre buste, tendez bien sur les bras. Expirez, tendez vos jambes. Montez bien les ischions vers le haut. Et si vous soulevez le talon droit, posez. Soulevez le talon gauche, posez. Douce, serrez dans le ventre, contractez le périnée. Fléchissez vos jambes. Inspirez. Expirez, vous emmenez la main droite sur la cheville à gauche. Ne bougez pas le bassin. Inspirez et tournez le buste dans le ciel. Montez votre bras gauche. Inspirez. Puis expirez. Ramenez la main gauche. La main droite. Inspirez, tendez vos bras. Regardez devant vous. Expirez, tendez les jambes. Relâchez la tête. Fléchissez vos bras. Tournez la tête à droite, tournez la tête à gauche. Revenez la tête au centre et là vous basculez le buste sur la droite et sur la gauche, tranquillement. Puis vous relâchez, fléchissez vos jambes. Voilà, on descend ici dans le sol et vous placez vos deux mains ici sur l'avant. Donc là on va juste déplacer sur l'avant et sur l'arrière, on monte sur les orteils, serrez dans le ventre, hein, contractez le périnée. Puis reposez les talons dans le sol, emmenez le poids du corps sur l'arrière et étirez vos bras le moins devant, le plus loin possible pour bien étirer dans tout le dos. Inspirez, tendez les jambes, venez sur l'avant, passez sur les orteils, fléchissez vos jambes. Serrez dans le ventre et contractez dans le périnée. Inspirez, poussez dans les talons, poids du corps sur l'arrière, fléchissez vos jambes, soufflez bien. Inspirez. Tendez vos jambes. On va revenir ici, les pieds sur l'arrière. On va passer dans la posture de la planche. Vous soufflez, serrez bien dans le ventre et contractez le périnée. Soufflez bien. Inspirez largement. Vous allez tourner vers votre gauche et vous allez monter le bras gauche vers le ciel. Inspirez. Montez les hanches. Expirez. Posez la main gauche. Soufflez bien. Tournez vers votre droite, inspirez, montez le bras droit et étirez. Montez bien les hanches, expirez, ramenez, soufflez. Posez doucement le genou droit, le genou gauche au sol. Soufflez et emmenez les fessiers vers les talons. Grappinez quelques millimètres avec la pulpe de vos doigts et allongez bien dans tous les dos. Menton dans la gauche, soufflez bien. Et expirez totalement. Encore. Inspirez, revenez. Tournez la peau des bras vers l'extérieur. Descendez bassin dans le sol. Ici, fléchissez un peu vos bras. Montez la poitrine, montez le sternum. Étirez. Expirez, basculez sur l'avant. Emmenez les fessiers sur les talons à la sana. Étirez. Ici, vous déplacez votre main gauche à la place de la main droite. Posez votre tête sur le bras gauche et vous emmenez le bras droit en arrière. Relâchez dans l'épaule droite, relâchez dans la main droite. Respirez tranquillement. Grande respiration profonde. Soufflez longtemps. Inspirez largement. Encore, relâchez bien votre épaule à droite. Voilà, puis on va revenir au centre, ramenez doucement le bras droit, la main droite sur l'avant, ramenez la main gauche au sol, inspirez, montez en quadrupédé. Tournez la peau des bras vers l'extérieur, descendez le bassin dans le sol, inspirez, montez le bout du nez. Expirez, revenez.
Soufflez bien. Emmenez les fessiers sur les talons. Relâchez. Menton dans la gorge, front au sol. Déplacez votre main droite vers la main gauche. Posez votre visage sur le bras droit. Emmenez la main gauche et le bras gauche dans le dos. Inspirez largement. Expirez totalement. Inspirez largement. Ressentez l'ouverture de la cage thoracique ici. Et vous ramenez doucement le bras gauche. La main gauche reprend sa place. La main droite aussi. J'étire loin devant mes doigts. Et doucement, je remonte quadrupède. Inspire. Tourne la peau des bras. Expire. Descends dans le sol. Engage le bassin, les cuisses. Pousse sur les bras. Tu peux fléchir tes bras si tu veux. Et tu t'arranges pour bien descendre les épaules. Tu montes le bout du nez devant si tu veux. Tu regardes dans le ciel et tu pétilles. Et en expirant, tu ramènes. Tu places les orteils contre le tapis. On soulève les talons et on passe dans le chien tête en bas. Pose dans tes talons, pose dans les doigts de tes mains. Menton dans la gorge. Ici, on monte bien les ischions vers le haut. On grandit et on étire. Étire, essayez de descendre les épaules. Puis vous marchez sur le pied droit, sur le pied gauche, tranquillement. Allez. Je vais monter ma jambe droite vers le ciel. J'inspire, je grandis, j'ouvre ma hanche à droite. Ouvre la hanche à droite. Monte bien jusqu'au haut. Étire, étire dans les deux bras, dans les deux mains, les deux jambes. Et en expirant, je ramène le pied droit doucement. La jambe droite est tendue. J'en profite pour monter sur les orteils du pied gauche. Et là, j'emmène le pied droit entre mes mains. Je fléchis ma jambe droite. Je descends dans le sol. J'inspire. J'emmène mes épaules en arrière, mes bras au-dessus de la tête. Je grandis et je tire. Et en expirant, je ramène mes mains près de mon pied droit. Je ramène le genou droit. Je descends en balasana. J'étire dans tout mon dos. Inspire. J'expire. Inspirez largement, puis placez les orteils dans le sol. Expire, monte en quadrupédie. Descends le bassin dans le sol. Pousse sur les mains. Descends les épaules. Étire. Expire, bascule, décolle les genoux du sol et passe dans le chien détendu. Pose dans les talons, menton dans la gorge. Étire, rapproche un peu tes deux pieds. Pose dans les deux mains, dans les deux bras, menton dans la gorge. Essayez d'écarter les omoplates, ressentez la pointe des omoplates se diriger vers l'extérieur. Inspire, monte la jambe gauche vers le haut. Ouvre la hanche à gauche. Et on tourne le bout du nez. Poussez dans la main droite, dans la main gauche. Étirez. J'expire, je descends la jambe gauche tendue. Je monte sur les orteils du pied droit. Je tends. Et j'emmène le pied gauche entre les mains. Je me mets droit dans le sol. J'inspire, je monte mes bras. Étire. J'expire, je ramène mes mains près du pied gauche. J'emmène mon genou gauche à côté du genou droit. J'ouvre mes genoux de la largeur du tapis. Et je descends les fessiers sur les talons. Je pose le visage au sol. Je ramène doucement la main droite, le bras droit. La main gauche, le bras gauche dans le dos. J'attrape mes poignets ou mes coudes ou mes bras ou mes avant-bras, selon ce que mes épaules me permettent de faire. Respire tranquillement. Libère dans le dos. Puis doucement relâche les bras. Ramène les mains près de tes pieds. Lâche les épaules ici.
Et descends le visage dans le sol. Tu peux placer le visage sur le côté ou bien te mettre sur le front, comme c'est bien pour toi. Respire largement. Les genoux sont écartés pour laisser passer le buste tranquillement. Libérez le bas du dos, le milieu du dos. Puis vous ramenez doucement les mains devant les genoux. Et là, on va écarter les doigts des mains, pousser sur les mains pour dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Je laisse glisser les mains sur les cuisses, je tends les bras et je redresse bientôt mon dos. Je viens me dresser sur mes deux genoux. Et là, vous allez passer votre tapis comme moi. Ici. Et on va se retrouver face à face. Ici. Voilà. Alors, là, vous êtes dressé sur vos genoux pour le moment. Et vous allez tourner vos orteils contre le tapis. Ici. Vous allez placer votre bassin en position neutre. Donc, ni trop en arrière, ni trop en avant. Et le bassin plutôt neutre. Ici, je vais, comment dire, essayer de tourner le buste pour aller en nez avec ma main droite, la main droite sur le talon droit. Vous avez un peu l'habitude maintenant, si vous avez besoin de poser un support comme un coussin ou une brique près du pied, n'hésitez pas à le faire parce que les cuisses, elles doivent rester perpendiculaires au sol. Donc, j'inspire. J'emmène la main droite vers le talon ou vers la brique et je tourne le bras ici vers l'extérieur pour libérer mon épaule. Et là, je vais monter le bras gauche vers le ciel, je regarde la main gauche, je grandis, je tire et j'emmène le bras au-dessus de l'oreille, je grandis. Et respire tranquillement. Puis je relâche mon bras. Là, je déplace les fessiers sur l'arrière et je ramène sur l'avant. J'inspire, je remonte mes deux bras. Je grandis et je tire. Et en expirant, je redescends tranquillement. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc reste là. Ici, donc les orteils bien contre le tapis. Je retraverse mon bassin. Et là, j'inspire, je monte mon bras gauche. Je tourne en même temps mon buste vers la gauche. Et j'emmène ma main gauche sur mon talon gauche. Je serre dans mon ventre. Je contracte le périnée, je contracte les fessiers. Je repousse bien les deux hanches sur l'avant. Et là, je monte le bras droit. Tourne bien la peau de ton bras gauche pour libérer l'articulation de l'épaule. Monte le bras droit, grandis et tire. On emmène le bras sur l'oreille. Inspire, n'oublie pas de sourire. Voilà. Et puis en expirant, tu ramènes bras droit. Tu emmènes les fessiers sur l'arrière. Tu reviens ici sur l'avant. Et tu te redresses sur les genoux. On est en position initiale. Tu emmènes ton pied gauche sur le tapis. Ici, tu allonges. Tu vas pouvoir mettre un coussin ou une brique sur le côté à ta droite. Si tu en as besoin. Peut-être que tu n'en as pas besoin. Ici, en inspirant, je vais monter mes deux bras. Je grandis, j'étire. Et en expirant, je descends mes deux bras. Et là, je vais emmener ma main droite sur le coussin à ma droite. Et là, je vais emmener le bras gauche dans l'alignement de mon buste. Je prends appui sur ma brique, sur le coussin ou bien au sol. Et je vais monter la jambe gauche. Je regarde le sol. Inspire. Expire. Pose le pied gauche. Étire dans la taille. Souffle, respire. Ramène doucement le bras gauche. Ramène le genou gauche. Inspire, monte tes deux bras, grandis. Et expire, descend tes deux bras. Je vais à présent passer sur le côté gauche. Je vais emmener le pied droit au sol. J'inspire. On vient appuyer avec la tranche externe de ton pied droit. J'emmène la main gauche sur le tapis coussin. Ici, je retraverse mon bassin. J'inspire. Je monte le bras droit. Je tourne le bras droit ici et j'allonge dans l'alignement de mon buste. Et puis je décolle la jambe et je tire, je grandis. Grandis, grandis, grandis. Serrez dans le ventre, contractez dans le périnée. Voilà. Puis je pose ma jambe et je continue d'étirer avec le bras droit.
Je monte. Puis je ramène doucement mon dos droit, comme ça. J'inspire, je monte mes deux bras loin au-dessus de ma tête, je grandis. Et en expirant, je redescends tranquillement mes bras. Je replace le coussin sur ma droite. Sur ma droite ou sur ma gauche? Non, sur ma gauche. Je le laisse à gauche, pardon. Et là, j'emmène le pied droit. Non, c'était bien ça. C'était sur la droite, pardon, excusez-moi. Sur la droite. Le coussin sur la droite. Le coussin au bruit, hein. On est d'accord. En fait, il va me servir pour aller emmener ma main là, derrière le genou. Donc, on prend le temps, tranquillement. Ça risque de tirer. Donc, vous y allez doucement et surtout, vous ne forcez pas. Vous ressentez ce qu'il est possible de faire pour vous. N'hésitez pas à mettre deux coussins ou deux briques ici, parce qu'en fait, on doit vraiment étirer dans la taille ici, côté gauche. On va rester 3 respirations dans la posture, mais on y va tranquillement. On y va. J'emmène ici la main droite sur le coussin ou sur la brique à ma droite. Ressentez ce qui se passe déjà tout de suite dans la hanche. Si vous n'avez pas de coussin ou brique, vous pouvez placer votre main ici, en dessous, sur le tibia. C'est possible aussi. Et on va monter le bras gauche. Donc, en étirant le bras gauche, et on va regarder notre jambe droite. Ici, vous donnez vraiment l'intention de rétroverser votre bassin. Et vous sentez que vous étirez bien dans la taille. Vous grandissez, vous étirez. Le but ici, ce n'est pas tant d'aller vers la jambe droite, c'est plutôt de sentir l'espace que l'on crée entre la hanche gauche et les côtes à gauche. Voilà. Puis vous allez doucement ramener le bras gauche, le bras droit. Vous observez, vous ressentez ce qui s'est passé ici sur la gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on place les supports de l'autre côté, bien sûr. Et là, je place mon pied gauche dans le sol, ma jambe gauche allongée. Je pousse dans le talon de mon pied gauche pour essayer de poser la tranche externe du pied gauche dans le sol. Je ressens ici mes deux hanches. Je sens qu'il y a bien une hanche qui monte. Donc, je descends bien les deux hanches, comme tout à l'heure. Et je vais descendre ma main, pas du support, ou bien sur la jambe. Mais pas au niveau du genou, plus bas, soit en dessous, soit au-dessus, pas sur le genou. Et là, pareil, je vais monter le bras droit, je étire, je retraverse bien mon bassin, j'essaye de garder mes deux hanches sur la même ligne, inspirez largement, grandissez et étirez. Regardez le sol, ou bien le haut, selon vos cervicales, et grande respiration profonde. Laissez faire, ressentez. Puis on va remonter, inspirer, revenez doucement, mais tranquillement. On va mener les deux genoux ensemble. Inspirez, grandissez et étirez. Expirez, redescendez tranquillement. Vous venez ici vous asseoir sur votre coussin ou sur votre brique. Voilà, vous descendez tranquillement, vous placez vos deux jambes fléchies ici. Descendez bien vos deux épaules. Vous pouvez garder vos jambes allongées hein, si c'est mieux pour vous. Et là, pareil, on va aller sur la droite et sur la gauche sans forcer, juste en créant de l'espace entre les hanches et les côtes. Donc, respirez profondément, bien dans le haut du buste, la poitrine, les épaules, la gorge, le dos. Ressentez votre souffle, dégagez bien les épaules. Relâchez bien dans les bras pour le moment. Inspirez largement. Expirez totalement. Voilà. Venez placer la main droite au sol. Doigt écarté. Tournez la peau du bras vers l'extérieur pour libérer l'articulation de l'épaule. Inspirez, montez le bras gauche vers le ciel. Regardez votre main gauche. Grandissez et étirez comme si vous vouliez attraper les pommes. Les pommes. Et on étire. Et là, on emmène le bras gauche sur l'oreille gauche. Étirez. Pressez sur la main droite pour ne pas descendre. Pour ne pas descendre complètement sur la droite. Tournez l'épaule droite vers l'extérieur et repoussez avec la main droite pour garder le bas du dos fixe. Et là, vous étirez. Regardez le sol. Inspirez. Expirez tranquillement.
Inspirez, étirez dans le haut. Expirez tranquillement. Encore une fois, inspirez, allongez. Et puis expirez, ramenez le bras gauche. La tête. Le buste. Et le bras droit. Observez la différence entre le côté droit et le côté gauche. Inspirez, montez vos bras, grandissez, étirez. Expirez, descendez. Ici. Placez la main gauche au sol. Descendez vos deux épaules. Montez bien la poitrine, montez bien le sternum. Tournez la peau du bras gauche vers l'extérieur pour libérer l'articulation de l'épaule. Montez le bras droit. Étirez loin, loin, loin vers le haut. Descendez votre épaule droite. Puis ici, vous emmenez le bras droit au-dessus de l'oreille. Tournez le bout du nez vers la main gauche. Respirez largement. Expirez totalement. Expirez. Et puis, nouvelle inspiration. Vous ramenez le bras droit, la tête, le buste, le bras gauche. On replace bien le dos. Descendez vos épaules. Inspirez, montez vos bras, grandissez loin vers le haut. Et en expirant, vous redescendez tranquillement vos bras. Relâchez votre dos, menton dans la gorge, arrondissez le dos. Inspirez, redressez votre dos. Expirez, arrondissez votre dos. Inspirez, redressez le dos. Et vous ramènerez doucement votre visage, votre buste dans l'axe. Descendez bien vos deux épaules. Laissez aller la tête sur un côté et sur l'autre. Tranquillement, sans forcer. Revenez tranquillement au centre. Venez placer vos mains sur les épaules. Coudes ensemble. Arrondissez le dos. Serrez dans le ventre, contractez le périnée, arrondissez. Inspirez, redressez. Levez les coudes comme si vous enleviez votre pull. Croisez de l'autre côté. Et emmenez les mains sur les épaules, arrondissez le dos. Inspirez, déroulez le dos. Levez les coudes comme si vous enleviez un pull. Et cette fois-ci, relâchez les bras par les côtés. Grande respiration profonde. Observez votre souffle. Encore deux grandes respirations profondes.
Et puis vous ramènerez les mains sur le cœur. Namasté.